Qu'est-ce qu'il y a, sergent? J'ai rien entendu. C'est bien ça qui m'inquiète. Dis aux hommes de se tenir sur leur garde. Poste de commandement américain, Philippines, 1945. Lieutenant Brandt, vous aviez ordre d'attaquer cette position en encerclant par la droite, mais vous n'avez pas cru bon d'obéir à mes ordres. Résultat, 11 morts. Impossible de prendre l'ennemi de flanc, ça aurait été du suicide. Ce n'était en aucun cas à vous d'en décider. J'estime qu'un officier doit être capable de prendre des décisions en fonction des difficultés qu'il rencontre. En l'absence d'une autorité supérieure, oui. Le tort serait de confondre bon sens et insubordination. Capitaine, nous avons détruit cette position japonaise. Effectivement, en perdant 11 hommes. Je suis persuadé que si vous aviez suivi mes ordres, la vie d'au moins 5 de vos hommes aurait été épargnée. Lieutenant Brandt, je tiens à vous rappeler que les décisions que je prends sont sans appel. Au fait, Mahoney ne doit pas revenir aujourd'hui? Si, capitaine, d'un moment à l'autre. Très bien. Maintenant, je voudrais que vous jetiez un coup d'œil sur la carte. Comme vous le savez, j'ai reçu ce matin un message qui rappelait qu'on comptait sur nous pour prendre Manille dans les prochains jours. On a ordre de nettoyer tout le secteur nord-est tout en poursuivant notre progression. L'un de nos avions a repéré des troupes japonaises ici. Là, il y a un petit avant-poste. Vu sa situation, sa prise pourrait être difficile. On aura besoin des nouvelles recrues de Mahoney. Ces hommes sortent sûrement du camp d'entraînement. Vous prendrez ces nouveaux pour la patrouille, c'est un ordre, lieutenant. Dès que la position sera assurée, vous me contactez. Et je veillerai à ce que le reste de la compagnie vous vienne en renfort. Oui, capitaine. Demain matin, départ à 6 heures précises. Excusez-moi, capitaine, les nouvelles recrues arrivent. Mahoney! Qu'est-ce que ça veut dire? On devait en avoir 8. Les Japonais ont déclenché une attaque surprise, lieutenant. Il y a 2 types qui ont dérouillé. Un a été tué et l'autre blessé. Mais ces gars-là, c'est pas des bleus. Ils sont spécialisés dans la guérilla, tout sauf de la rama. Alors on va s'en servir. Et il y a le caporal Salcedo, c'est un coriace. Salcedo! Ouais. Vous avez votre ordre de route? Ouais. Oui, qui, soldat? Oui, mon lieutenant. Comment vous appelez-vous? Salcedo, caporal Salcedo. Caporal Salcedo, qui? Caporal Salcedo, mon capitaine. Ici, vous êtes tenu d'observer la discipline militaire à tout instant, caporal. Le moindre écart et vous pourriez redevenir simple soldat. Oui, capitaine. Et voici le capitaine Douglas. Je suis le lieutenant Brandt. Votre mission sera surtout de dénicher les Japs. Nous ne manquerons pas de travail. Mahoney va vous montrer la baraque où vous logerez. Vous vous reposerez un peu. Et ce soir, je vous expliquerai la mission de demain.
Si on était au-dessus d'eux, qu'on aurait une chance de les avoir. C'est pas possible de s'approcher plus. Ouais, ça serait dommage de les louper. Je pense que le mieux, ce serait de... Espèce d'abruti, qui vous a dit de tirer ? Personne, mon lieutenant. Vous devez seulement obéir aux ordres. Deux hommes avec moi au nez. Vous voyez ce groupe d'arbres là-devant ? Ouais. Vous vous cachez derrière. Salcedo, vous venez avec moi. Vous, vous nous couvrez jusqu'à ce qu'on arrive à cette crête. はい。はい。次に。 Restez ici pour l'instant. Dès que je suis sur le talus, vous me rejoignez. Voilà. Ça va être à mon tour. Et toi, tu suis. Ouais. C'est difficile, hein? Continuez à tirer, je vais essayer d'aller le chercher. Courage de là à main, je vais essayer de venir vous chercher. Tenez bon, j'arrive. Thank you.
Ça va? Ouais. Les Japs s'occupent des autres. Allez, viens. On coupe la route. Allez, viens. Réfléchissez, Salcedo. C'est pas la peine d'attirer leur attention. Yamashayo! Regardez! C'est le signal! Quel coup de peau! De la dynamite! Ils en ont sûrement collé dans tout le coin. Mettez deux caisses près du travail. Ouais, d'accord. Prenez cette corde. On va attacher les caisses ensemble. Ce sera plus efficace. Longtemps comme ça. La corde est tombée, ça va pas être facile. Ouais, je vais essayer. Tâche de tenir. Oui.
un repère rouge sur la corde. À combien de pieds? Environ 6 pieds. Alors on arrête là. Ouais. Quand je tire sur la goupille, tu lâches tout. Ouais, d'accord. Je crois qu'on a réussi. Ouvre une de ces caisses. Allez, debout, soldat. Allez, en route. Arrête. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Reste ici. Ils ont des ennuis. Ouais. On va leur laisser une heure. Et s'ils sont pas revenus, il faudra contacter Douglas. Maintenant, il faut aller enterrer Dollarama. A eu. Dollarama a été tué. On avait à traverser une partie de terrain à découvert et on n'a pas réussi. J'ai récupéré sa plaque d'identité. Et son portefeuille. Ici, il faut s'attendre à voir des hommes mourir. C'est pourtant difficile à accepter. Contactez le commandant. Oui, lieutenant. Ferreira. Il paraît que vous vous débrouillez assez bien en japonais. Oui, lieutenant. Bon, dans ce cas, vous allez questionner le prisonnier et lui demander quels sont leurs effectifs dans les environs. Bien, lieutenant. Oui. Santa Maria Murani. Nihongun, dono kurai oiteiru ka? Nihongun, dono kurai oiteiru ka? Oh. Il dit qu'ils sont pas nombreux. Ils peuvent communiquer entre la caverne et le village. Il dit que oui. Il pourrait mentir. Espérons qu'il dit la vérité. Demandez-lui s'ils ont de l'artillerie et si la route est minée. Il dit qu'ils ont de l'artillerie, mais que la route n'est pas minée. Lieutenant, Captain Douglas on the line. Il n'a pas intérêt à mentir parce qu'il marchera devant. Ici Brandt. On a réussi, mais on a perdu un homme, capitaine. Dollarama. Écoutez, Brandt, nous nous mettrons en route demain matin. Vous nous attendez. Vous n'avez rien d'autre à signaler? Seulement quelques dégâts sur la route, on va arranger ça. On a fait un prisonnier. Il semblerait que le village abrite 300 hommes et un peu d'artillerie. Entendu, Brandt. On avisera de tout ça demain matin. Qu'est-ce qui se passe, Ferreira? Il dit que le commandant du village est le général Takahashi. C'est le salopard qui a tué mon frère. Est-ce que vous en êtes sûr? Oui, j'en suis certain, c'est ce salopard. Et moi, j'ai juré que je tuerais cette pourriture. Je vous promets que d'une façon ou d'une autre, Takahashi devra nous rendre des comptes. J'ai peur de ne pas avoir la patience d'attendre.
Écoutez-moi, Ferreira. On a besoin de vous ici. C'est pas le moment de craquer. Apprenez à vous maîtriser. Ça, c'est facile à dire, lieutenant. Je ne vous dis pas en tant que supérieur. Mais je donne un conseil à un ami. D'accord ? D'accord, lieutenant. Qui portait les bâtons de dynamite ? Je pense que c'était Pérez. Oui, c'est moi. Il doit en rester dans ma musette. Je vais la chercher. Mahoney et Pérez, venez avec moi. Les autres, installez le camp et faites attention à notre prisonnier. Prenez ça en plus, lieutenant. Godwin, fais un feu et va remplir ma gourde. Va la remplir toi-même. J'ai dit, va remplir ma gourde! Je vais aller chercher le reste du matériel. Ah, ça y est. Quand vous voudrez. Attendez! Allez-vous-en, ça va exploser! Non, par ici! Allez vous mettre à l'abri derrière! Allez, dégagez la route. Tout de suite. Vous avez eu de la chance, vous auriez pu être tué. Qu'est-ce que vous fichez par ici? Je me suis sauvée de mon barrio. Santa Maria? Oui. Les troupes japonaises sont parties. Alors vous n'aviez aucune raison de fuir? Oh, si. J'y étais obligée, sinon j'étais forcée de partir avec un officier japonais. C'était la seule solution. Je suis partie en espérant rencontrer les troupes américaines. Vous vous appelez comment? Pelita. Pelita Cruz. Pourquoi les Japonais quittent le village? Je pense qu'ils commencent à manquer de ravitaillement et de munitions. Par qui ils sont commandés? Par le général Takahashi. Vous avez de la famille là-bas? Non. Mon père a été tué par les Japonais. Ma mère est morte il y a 2 ans. Et mes frères se battent avec les vôtres. Je n'arrive pas à croire que j'ai réussi, que je suis libre. Mestiza, allo parlamo. Pelita. T'es sacrément jolie, Pelita. Mais ne va pas t'imaginer que tu peux nous faire croire n'importe quoi. Wag. Wag mong bigyan niya ayap na yan. Taka, saan ka ba? Maynila. Hindi, ibig sabihin, saan ka pinanganak? Sa Maynila nga. Yung ba si General Takahashi, meron bang 5'8 ang taas mo? Oo. Kalbo? Oo. Il est question de barrage, lieutenant, et de centrale électrique.
Dans le barrio, je crois qu'il s'agit de Santa Maria. Batni mabirang kitchen. Wala akong alam tungkol diyan. Il n'y a pas de barrage. En tout cas, il n'y a rien de marqué là-dessus. C'est exact, lieutenant. Il n'y a aucun barrage par ici. Tout ce qu'il y a, c'est un petit village de montagne, rien d'autre. Je suis sûr qu'ils l'ont dit. Elle ment, lieutenant. Non, je dis la vérité. Peut-être qu'il parlait d'un barrage situé dans un autre barrio. Lieutenant, je suis certain qu'elle ment. Dites-moi, Pelita. Comment vous vous êtes retrouvée mêlée à tout ça? Ma mère croyait qu'on serait plus en sécurité dans les montagnes. Quand elle est morte, on y était depuis un an. Un an plus tard, les Japonais sont arrivés. Et c'est là que vous avez rencontré Takahashi? Non. Le général Takahashi a pris le commandement il y a 6 mois seulement. Traversez le chemin et faites sauter leur position. Voyons, capitaine, on ne sera pas à couvert. Le bazooka est là-bas et la mitrailleuse derrière. On va au suicide. Vous avez donné un ordre, exécutez-le, dépêchez-vous. Ils doivent être ici, à environ 10 miles de Santa Maria. Ils ont 300 hommes et de l'artillerie légère. Oui, lieutenant, on sait tout ça. La fille nous a prévenu... La fille? Quelle fille? Pelita Cruz. Elle nous a dit que les Japonais évacuaient. Et Ferreira a à la radio entendu parler d'un barrage. Un barrage hydroélectrique situé là. Lieutenant, il n'y a rien dans ce secteur qui pourrait nous faire envisager la possibilité d'une telle installation. Il y a peut-être eu un camouflage, capitaine. Et où il pourrait s'agir d'une installation relativement récente. Lieutenant Brandt, ce que vous annoncez est tout à fait improbable. Bon, allez, d'accord, je vais parler avec cette fille. Va la chercher. Encore une chose, capitaine. Le barrio est sous les ordres d'un général. Le général Takahashi. Pourquoi aurait-il mis un général à la tête d'un petit village de montagne s'il n'y avait pas de bonne raison pour ça? La guerre est perdue pour eux. Dans la débâcle, il y a aussi des officiers supérieurs. Pelita Cruz. Le lieutenant m'a signalé que les Japonais devaient évacuer aujourd'hui. Oui, je pense qu'ils partiront aujourd'hui ou demain. Il m'a parlé également d'un barrage hydroélectrique. Est-ce que votre village possède une telle installation? Non, il n'y a rien de tout ça. Je vous le jure, capitaine, j'ai déjà répondu 100 fois à cette question, c'est non! Je suis certain de l'avoir entendu à la radio. Ça suffit. Et si vraiment ce barrage existait,
Ils pourraient alimenter Manille en énergie électrique. Alors ne serait-il pas logique qu'ils se battent jusqu'au dernier homme pour le défendre? Lieutenant Brandt, la fille, la carte, la reconnaissance aérienne disent tous que vous avez tort. Il n'y a qu'une seule façon de s'en assurer. Et c'est qu'une patrouille inspecte le secteur. Et qu'on perde encore un jour, il n'en est nullement question. On part immédiatement. On peut arriver à Santa Maria avant la nuit et il y a encore une chance de capturer Takahashi. Ça ferait bien dans vos états de service d'avoir fait prisonnier un général. Brandt, je ne puis tolérer votre insubordination. On s'en va maintenant. Votre section sera en tête de la colonne. Mike, il y a quelque chose que j'aurais à te dire. Ouais, qu'est-ce que c'est? Ah, Douglas, bien sûr. Il a peut-être été un bon officier à Point, mais sur 7 morts qu'il y a eu ce matin, il y en a eu 3 sacrifiés pour rien. Il n'a aucune considération pour ces hommes. Ouais, je sais. Il ferait bien de se méfier, parce qu'il pourrait bien se retrouver avec une balle dans la tête. Et elle pourrait bien ne pas être japonaise. Mademoiselle Cruz, vous allez venir avec nous. Merci, capitaine. Ça me fait plaisir de retourner là-bas. Je me demandais si j'avais vraiment eu raison de m'en aller. Parfait. Montez. Let's move up. On y est, capitaine. Santa Maria, qu'est-ce que vous décidez? De toute évidence, le village est désert. Ça explique pourquoi on n'a rencontré aucune résistance ces derniers miles. Les gars sont fatigués, capitaine. On continue ou on reste là? Cette fille nous a dit la vérité, Brandt. Bon, il va bientôt faire nuit. Pour l'instant, rien ne presse. On campera ici. Bien, capitaine. Personne ici.
Ah, souvent, ils évacuent tout un village. Je n'y comprends rien. Bon, vos amis sont sûrement sains et saufs dans un autre barrio. Nous reviendrons ici demain matin. Vous n'avez pas changé d'avis? Non, capitaine. Tout ira bien. Il ne devrait rien m'arriver de mal. J'espère qu'il en sera ainsi pour vous et pour Brandt. Tout se passera bien. Vous serez là demain matin? Oui, oui, bien sûr. Dites au lieutenant que j'aimerais le voir, que je voudrais lui dire au revoir. D'accord, je lui dirai. Et tâchez de vous reposer, c'est un ordre. Qu'est-ce que je dois dire, capitaine? Je vous remercie pour la balade? Si on peut appeler ça comme ça. Takahashi a fait évacuer tout le village. Ça devrait nous rendre la tâche plus facile. Et Mademoiselle Cruz veut vous voir demain pour vous dire au revoir. Elle n'est pas avec vous? Elle a tenu à rester là-bas. Elle est citoyenne philippine, on n'a pas d'ordre à lui donner. C'est ce qu'elle désirait, elle est chez elle. Depuis le début, nous avons envisagé l'hypothèse qu'elle pouvait être une espionne. Si c'est le cas, vous devenez complice en allant la conduire chez Takahashi. Si c'est le contraire, vous vous moquez éperdument de mettre sa vie en danger. Je crois qu'une patrouille doit être envoyée. Cette fois, je ne passerai de votre avis. Et vous irez pour rien. Vous ne trouverez aucun japonais, ils ont foutu le camp. Vous ne trouverez pas de barrage hydroélectrique parce qu'il n'a jamais existé. Mais vous trouverez Pelita Cruz, ça c'est plus terre à terre. Qu'est-ce qui se passe? Ça vous monte à la gorge? Vous n'êtes qu'un fumier. J'en ai marre de vos ordres idiots et toutes vos conneries. Monte! Vous serez fusillé! Mettez-le aux arrêts! Essayez pas, Douglas! N'insistez pas car je serai bien trop heureux de vous tuer! Je vais aller jusqu'à ce village. Un homme va venir avec moi. Ferreira. Qui alimente Manille. Un peu, oui. Ça doit produire assez de courant pour illuminer toute la région comme l'âme de Noël. Ouais, et ils l'ont camouflé pour pas être vu des avions. Ouais. Espérons que le terrain n'est pas miné. Pelita, on ne peut pas se permettre une faute, car on doit vaincre les Américains. Alors j'espère que tu diras la vérité. Combien se montent leurs effectifs et qui est leur officier en chef? Ils doivent être environ 150. Il y a le capitaine Douglas qui est secondé par le lieutenant Brandt. Petit détachement. Mais rappelle-toi bien, ces renseignements sont très importants pour mon quartier général. Il faut absolument qu'ils soient exacts. Vous êtes toujours en contact avec Manille? Pourquoi tu demandes ça? J'ai entendu dire que la place allait tomber. Le haut commandement japonais met sur pied une nouvelle armée d'invasion. Qu'est-ce que vous avez fait subir à ma famille? Où sont ma mère et ma sœur? Tous ceux qui vivaient ici ont été évacués sur un autre village. Je vous ai demandé ce que vous avez fait de ma mère et de ma sœur. Où sont-elles? Pour des raisons évidentes, je les ai gardées ici. Je veux les voir tout de suite. Nous devons d'abord attendre les Américains. Vous aviez promis.
je tiendrai ma parole. Si tu tiens la tienne. Non, Etchi, je vous en prie, non! Non! Ça va être facile, lieutenant. Je suppose qu'il y en a partout. Ouais, ça se place à peu près tous les 10 pieds. Qui sait ce qu'il y a en dessous? Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? On peut pas faire grand-chose. S'il devait détruire cette installation, le courant d'eau balayerait tout, sans compter la perte de puissance électrique. Mais il doit y avoir un raccord avec le disjoncteur principal. Sûrement dans le village. On va y aller. On va aller jusqu'à la cabane. Ça doit être le poste de commandement. On va essayer d'aller voir ce qui se passe. C'est lui. Doucement, Ferreira. Je le veux vivant. Baissez-vous.
Ehewa, Buenichi. Ohewa, Jinjisteluka. Yushu. Rita! Pelita, viens ici. Ha! Kyu Hono, Setsubiwa Donka. Chattomade! Pelita! Je t'ai dit de venir. Dépêche-toi. Sake o motte koi. Apporte-moi vite un peu de saké. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que la carte est doublée et que l'artillerie est prête. Chut! Terevinjin wa mina korostaka. Boksimoka. Yushio. Chitai wa katatsuketaka. J'étais presque arrivé à me convaincre. Rajuriro! Alors, votre nom et votre grade? Brandt! Lieutenant Brandt, et je vous emmerde! Allez-y, allez-y, tuez-moi comme vous avez tué tous les gens du village. Oh, non, non, vous n'avez pas fait ça. Nullement. Tout le monde est en sécurité. Vous les avez tués, ma mère et ma sœur, vous aviez promis, non, non. Oh. Assez. Je t'ai dit que ta famille était en sécurité. Alors, tu connais cet homme? C'est bien le lieutenant Brandt? Oui. Manifestement, vous n'êtes venu ici qu'en éclaireur. Hein? Vous ne semblez pas en être tout à fait certain. En ce moment, mes hommes contrôlent toute la région. Et ce qu'ils y trouveront n'a aucune importance. Nous serons toujours prêts à affronter les Américains et nous aurons la victoire! Mon général, vous êtes cuit. Fait comme des rats. Vous savez bien que la chute de Manille est imminente, alors n'insistez pas et comme ça vous resterez en vie. Lieutenant, je n'ai rien à faire de vos conseils. En tant que général de l'armée impériale japonaise, il me plaît à vous dire que jamais dans notre histoire nous n'avons perdu de guerre. Et maintenant, pour être plus précis, je veux vous signaler que votre capitaine Douglas n'est pas une menace pour moi. Voilà. Maintenant, il n'y a plus rien à ajouter. Emmenez-le! Rita! Saké! Aucun signe de vie du lieutenant Brandt, capitaine. Bien sûr que non, vous ne comptiez tout de même pas qu'il revienne. Eh bien, je pensais que... Jamais il revient, il est bon pour passer en cour martiale et être fusillé. À mon avis, il a fichu le camp à travers la forêt avec cette pute. Il semblait tout à fait décidé à aller inspecter le village. Ridicule. Peut-être qu'au départ, il en avait l'intention, mais il est sûr qu'il y a renoncé. Parker, vous êtes prêt pour le départ? Oui, capitaine. On se met en route tout de suite. Jamerson, prenez la tête de la colonne, prenez les hommes de Brandt dans votre section. À vos ordres. Thank you.
Thank you.
sentinelles. Il faut sortir tout de suite. Non. Non. Thank you.
commencé à me demander si vous alliez réussir. J'ai failli échouer. Vous aviez raison. Allez, sortons d'ici. Parker, retournez près de vos hommes. Par votre faute, ils sont presque tous morts. Brandt vous l'avait dit, mais vous n'avez pas voulu l'écouter. Plus de la moitié de la compagnie a été tuée. Mahoney est toujours là. Et si j'y retourne, j'ai aucune chance. Pour refuser d'obéir, je vous le ferai payer cher. Douglas, vous risquez de plus être là pour témoigner. Parker, retournez près de vos hommes, c'est un ordre. Restez là, Parker. On en a marre de crever à cause de votre brillante stratégie. Il est grand temps que je prenne le commandement. Vous êtes complètement dingue. Vous voulez prendre le commandement de force? Vous croyez que je vais me laisser faire? Je vous préviens, vous allez devoir me tuer. Vous tuer serait trop facile, Douglas. Et ce serait gâcher une balle. Mais vous allez payer. Payer avec tout le déshonneur qui va avec la cour martiale. Mahoney, appelez-moi le quartier général. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous faites? Je vais demander un appui aérien. Ça vous serait sûrement jamais venu à l'idée. Je m'apprêtais à prendre de nouvelles dispositions. Lieutenant, vous êtes colonel. Ici Brandt, colonel. On a tout de suite besoin d'un appui aérien. Notre compagnie a subi de lourdes pertes. Notre position est 45 degrés ouest par 8 degrés nord. Oui, c'est ça, Santa Maria. Bon, écoutez bien, colonel. On a localisé un barrage hydroélectrique qui n'était pas sur la carte d'état-major. Oui, c'est ça. Et ça alimente la région de Manille en courant électrique. Non, colonel, ne bombardez pas au nord. Enfin, pas au nord du village. La centrale électrique s'y trouve et elle est bien camouflée. Dans combien de temps vous pouvez envoyer l'aviation? D'accord. Parker, vous allez monter un mortier sur cette tête. Ouais, je crois qu'on devrait pouvoir l'amener jusque-là. Alors allez-y. Maintenant, ça commence à bien faire, Brandt. C'est toujours moi qui commande ici. Désobéissance en temps de guerre, je devrais vous tuer. Ne soyez pas stupide, vous seriez obligé de nous tuer tous. Mahoney, vous ne vous en tirerez pas comme ça. Ces hommes témoigneront contre vous, c'est moi le commandant. Est-ce que vous me comprenez? Je peux vous tuer. Je prends l'entière responsabilité de mes actes. Mahoney, vous allez me foutre une mitrailleuse. Vous allez la passer là. Vous devez pardonner mon emportement. Tout à fait inconvenant. Si vous le permettez, messieurs, je vais aller rédiger mon rapport. Encore une chose, Mahoney. Ma section. C'est nous deux. Désolé. Les avions seront là dans 10 minutes. Grouillez-vous. Lago! Lago!
Attaquez, monsieur. À l'avant. Regardez. Attention. Identification. À l'avant. Combien de tués ? On en a compté 76. Et Douglas, quelqu'un l'a vu ? Oui, lieutenant. Il est mort, malheureusement. Je l'ai trouvé là-bas, près des rochers. C'est peut-être mieux comme ça. Eno, appelle QG. C'est inévitable, Mike. Peut-être que c'est mieux de passer ça sous silence. Vous l'avez, lieutenant. Allô, ici Brandt. Oui, colonel, mission accomplie. Et on est prêt à se remettre en route. On a eu 77 tués, y compris le capitaine Douglas. Bien, colonel. Oui, on tient la position et on attend d'être relevé. On s'installe ici. Lieutenant Mahoney, vous commanderez la deuxième section. Quoi ? Vous avez entendu. J'ai besoin d'un chef de section et vous l'avez mérité. À vos ordres. Ketinde ? Brandt, il faut que je vous parle. Je dois vous expliquer. Vous n'avez rien à expliquer, Pelita, j'ai compris. Vous avez fait ce que vous deviez faire. Et maintenant, il vous reste le plus difficile. Oubliez tout ce qui s'est passé et refaire votre vie. Je crois que vous réussirez.